Salut mes belettes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto make-up. Voilà, cette fois j'ai fait quelque chose de naturel, quelque chose de très rapide à réaliser et j'ai utilisé des produits du site Bomb Pretty Store, donc je vous avais déjà fait une vidéo de ce type. Donc encore une fois, je vais vous laisser avec le tuto make-up et à la fin je reviens sur les produits testés, je vous dis ce que j'en pense. Thank you.
voilà mes belettes, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais maintenant vous parler des 3 produits Bon Pretty Store que j'ai pu tester dans cette vidéo. Alors le premier produit était le pinceau à fond de teint. Donc quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert, je m'attendais à ce qu'il soit plus gros. C'est vrai que sur le site, sur les photos, on ne se rend pas trop compte. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mince, j'ai dû me tromper, j'ai dû prendre celui pour les blushs, mais pas du tout, c'est vraiment le pinceau à fond de teint. Maintenant, vous avez pu le voir, c'est relativement facile d'appliquer du fond de teint avec. Le seul petit bémol à la rigueur, c'est que je trouve qu'il faut passer plutôt deux fois qu'une pour enlever toutes les petites démarcations, parce qu'en fait, les poils sont tellement denses que le fond de teint ne pénètre pas en fait à l'intérieur. Il y a plusieurs pinceaux de fond de teint en fait qui boivent un petit peu le fond de teint liquide, celui-ci pas du tout. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que je le teste également avec un fond de teint minéral. Sinon, au niveau de la qualité, je l'ai lavé plusieurs fois, les poils restent en place, je n'en ai pas perdu un seul. Et la prise en main, en fait j'aime bien le côté assez petit, compact, ergonomique, la prise en main est facile. Donc voilà, globalement, une bonne découverte pour ce pinceau-là. Deuxième produit, c'était un crayon pour les yeux. Alors moi, je m'en suis servi en liner, mais vous pouvez l'utiliser en liner ou en ombre à paupières. Donc j'avais pris la couleur noire avec des micro-paillettes, j'espère que vous les avez bien vues à la vidéo. Je le trouve vraiment superbe, il s'applique très facilement, il tient très bien. Je l'ai testé sur plusieurs jours avec plusieurs make-up, et c'est vrai qu'il tient bien. Surtout avec certaines chaleurs, ça ne coule pas, donc voilà, point positif. Et puis, alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est un crayon qui se taille en fait. Donc au début j'insistais, si vous voulez c'était tellement bien fait que je pensais qu'il fallait tourner. J'insistais, et pas du tout, en fait il se taille. C'est pas du plastique, ça a l'air plastique, mais ce n'est pas du plastique. Donc voilà, la qualité est là également. Je vous mettrai donc tous les prix. Mais c'est vrai que ça ne revient pas cher du tout et c'est de la très bonne qualité. Je trouve que la couleur est intense, c'est bien pigmenté, les petites paillettes sont là, donc voilà. Pour ce crayon également, point positif. Et je pense que je recraquerai peut-être pour d'autres couleurs de la gamme. Et dernier produit, mais c'est un coup de cœur énormissime, c'est donc le blush qui se présente ainsi. C'est un blush marbré. Et quand je l'ai vu sur le site, déjà je me suis dit, il faut à tout prix que je teste ça. Je n'ai pas de blush marbré, je n'ai pas ce type de produit et ça m'a toujours donné envie. Et alors là, c'est voilà, depuis que je l'ai, je le mets tous les jours. Il est très très pigmenté et je ne sais pas si vous l'avez vu également à la caméra pardon, tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est vraiment très très lumineux. Je ne mets pas d'highlighter parce que ça fait office d'highlighter également. C'est mon préféré, tout simplement. Et au niveau du packaging, j'ai beaucoup aimé également parce que c'est tout mignon, c'est tout girly, il y a des petits nœuds roses. Et puis quand on l'ouvre, donc on a le blush ici. Et juste en dessous, en fait, on a le petit pinceau avec un petit miroir. Voilà. Donc après, c'est pas le genre de pinceau que moi j'utilise. Par contre, pour partir en week-end, pour partir en voyage, c'est toujours pratique d'avoir les pinceaux dans les boîtiers et ça évite voilà, de transporter tout son lot de pinceaux. Voilà, donc je vous avais déjà réalisé une vidéo avec des produits Bon Pretty Store. J'avais adoré, j'avais trouvé que la qualité était au rendez-vous, que le rapport qualité-prix était juste sensationnel. Alors certes sur le site c'est en dollars, mais je sais qu'ils ont lancé un site français qui s'appelle Nez Joli, je crois. Et voilà, encore une fois, la qualité est là, les petits prix sont là. Et comme je vous dis, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un des 3 produits. Pour les 2 autres, ils sont de très très bonne qualité. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous commandez, dites-le moi. Si vous avez les mêmes produits, dites-le moi également. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.